Bonjour ou rebonjour pour les plus fidèles d'entre vous. Nous sommes heureux de poursuivre cette journée Toqué Porcelaine 2019 ici, salle Auguste Ritome, avec un chef que j'apprécie beaucoup et je suis donc très content, Vivien, que tu aies accepté cette invitation pour passer un bon bout de temps. Tu es originaire d'où ? Tu es né où ? Alors moi je suis né à Toulouse, à côté de Toulouse. Et je suis, mes parents sont d'origine basque et je suis revenu au Pays Basque depuis maintenant 15 ans et j'ai un restaurant à Bordeaux. Ouais, ça. Est-ce que tu as une jolie histoire ? Parce que tu as eu une étoile dans un petit restaurant de poche, hein, c'est dans ça ? Dans un bar à vin. Ouais, dans un bar à vin. Ouais, ouais. On faisait des tapas à la frontière espagnole. J'étais le premier étoilé Michelin de France. Il est où, il est où votre prof ? J'aurais bien voulu le faire réagir. Mais je ne sais pas s'il a entendu ce qu'il s'est dit. Alors là, on va faire du taillage un petit peu. Alors là, on va vraiment sortir les muscles en fait. Ok. Vous avez entendu ce qui s'est dit ? Bon, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous faire réagir. Parce que Vivien, on parlait de technique culinaire. Vas-y, bon, montez sur scène, qu'on vous voit. On va demander. Rappelez-vous votre prénom ? Christophe. Christophe. Donc Christophe, il est professeur à l'école au lycée hôtelier Saint-Jean, qui nous accompagne donc aujourd'hui. Je crois qu'il y a un autre lycée demain, histoire de faire. Non, vous êtes. D'accord, voilà, pour qu'on essaie de faire participer tout le monde. Et on parlait d'enseignement aujourd'hui dans les lycées hôteliers, on parlait de technique, etc. Le chef disait qu'il avait peut-être peur que certaines choses se perdent aujourd'hui. Ce qui l'intéressait plus, c'est de rencontrer des élèves qui avaient appris à ciseler un oignon, qui avaient appris ce qu'était un cerfeuil tubéreux, plutôt que de faire une blanquette. Est-ce que vous pourriez rire ? Oui, avec une écume et des choses comme ça. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a eu la période de cuisine moléculaire, pour faire simple. Qui a un petit peu envahi les cuisines d'application où on se trompait sûrement d'apprentissage et non, il y a un retour évident aux techniques de base, les taillages, tous les taillages de légumes, de fruits, les cuissons évidemment, les cuissons de base, cuissons à l'anglaise. Enfin, je pense que Benjamin ou Eva qui sont là peuvent le dire. On est à fond dedans. Et puis petit à petit, les habituer à assaisonner, à maîtriser, à goûter. Ah oui, à goûter, ça c'est évident, ils le savent. D'ailleurs, on utilise un ustensile, nous, qui s'appelle la georgette. Vous en avez peut-être entendu parler au salon de Paris, qui a eu le prix Lépine. Oui, je vois, c'est la fameuse cuillère avec les pointes de fourchette. D'accord. Mais bref, c'est pour aussi les habituer à utiliser cet ustensile qui est un petit peu amusant. Et les sensibiliser à goûter. Quand on cuit des légumes dans de l'eau salée, à leur âge, ils ne savent pas la quantité de sel qui est nécessaire en visuel par rapport au volume, donc ils goûtent. Et tant que l'eau n'est pas salée comme de l'eau de mer, entre guillemets, ils ne mettent pas le légume à cuire, quoi. Donc ça, c'est... Voilà, c'est... On parlait ce matin. Oui, c'était un débat ce matin, oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est important d'être... de maîtriser ces choses basiques qui, derrière, ensuite, permettent d'avoir une qualité dans l'assiette. De cuisson, par exemple, la démonstration tout à l'heure de Christophe et avec ses filets de carpe. Je ne sais pas s'il avait dit, ses filets de carpe étaient trempés dans une saumure. Je ne sais pas s'il a évoqué. Non, il ne l'a pas évoqué. Voilà. Non, parce que moi, je lui ai posé la question. Parce qu'il n'assaisonnait pas son poisson avant la cuisson. Donc, moi, ça m'interpelle. Et effectivement, il trempait son poisson pendant 10 minutes, quand même 20 minutes, dans une saumure, c'est-à-dire de l'eau, du sel, à 10%. Ouais, et du sucre. Et alors, parfois, on peut mettre du sucre, effectivement. Et ensuite, il le rince un petit peu et son poisson est assaisonné à la perfection pour une cuisson nacrée, idéale. En plus, ça raffermit les chairs des poissons. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on apprend avec les jeunes. Alors, plutôt en fin de formation, parce que ce n'est pas une technique de base classique, mais bon, qui existe. Donc, on essaye, nous aussi, de suivre ce que font les chefs, parce que ça, c'est aussi pour les motiver. Et puis, ça nous motive aussi de voir les évolutions du métier. Ça part. Vous avez l'occasion d'échanger avec des chefs de cuisine, justement des restaurateurs, pour savoir un peu quelles étaient leurs attentes et... Oui, bien sûr. Alors nous, on est en contact permanent avec le syndicat UMI sur Limoges, et puis les professionnels, l'association des Toques Blanches aussi sur Limoges. Et effectivement, on essaie d'être le plus adapté à leurs attentes pour préparer les jeunes à intégrer leurs entreprises, c'est sûr. Ouais. Ouais. Après, on essaye de déclencher la motivation d'abord, la passion ensuite. Ça vient au contact des grands chefs et la transmission. Voilà. Donc nous, on n'est qu'un maillon, on est
C'est le vecteur. Oui, voilà, exactement. On essaye de l'être en tout cas. Et bon. Merci. Ben merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes des gens passionnés, vous, pour l'instant? Vous avez l'impression d'être... Moi, oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu sais depuis longtemps que tu veux faire de la cuisine? Ouais, depuis que j'ai 4 ans. Mais j'ai pas de raison particulière. Mais ça, je peux très bien le concevoir, qu'on puisse avoir une envie sans avoir une raison. Et toi? Moi, c'est pareil. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu... Après, j'ai bifurqué sur les animaux, mais c'était trop compliqué. Et du coup, je suis revenue sur la cuisine. C'est bien. Donc là, on a déjà des... deux futurs cuisiniers motivés. Alors pendant ce temps-là, pendant que nous parlions, le chef n'a pas perdu de temps. Donc je vois... Donc on a, juste tranché en tranche à peu près de 5 mm la viande, séparé les muscles et mis à tiédir dans de l'huile que j'ai aromatisée. C'est l'huile de tournesol que j'ai aromatisée avec toutes les herbes que je suis allé chercher dans le jardin. Ok. Donc là, ça va tiédir combien de temps? Ça va aller assez vite. Il faut faire attendre, alors c'est toujours pareil, il faut que. Voilà, faut que ça soit à 40 degrés. Quoi. Voilà. D'accord. On va faire la fricassée. Donc là, les fameuses tomates. Ah, les tomates en. Waouh! Oui, puis elles sont jolies en plus. Elles sont magnifiques. On les voit, attends, il faut juste qu'on les voit. Voilà. Approchez-vous, cher monsieur. N'ayez pas peur, parce qu'on voit bien les tomates. Parce qu'elles sont vraiment belles, ces tomates. On a franchement l'impression qu'on les a juste mondées à... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On va dire il y a 2 heures qu'elles se sont juste un peu affaissées comme ça. Exactement. Mais, c'est beau. Donc hein. Là, en fait, on va les laisser le plus naturel possible et on va faire une petite mijotée avec les châtaignes. Alors, on va parler un petit peu de porcelaine. J'ai on va y venir, fait une bêtise. Ah. C'est que j'ai reçu des mails plusieurs fois que je n'ai pas vu ou pas pris le temps de lire. Donc je viens d'apprendre aujourd'hui avec quelle vaisselle on va travailler. Oui. Et je sais pas si c'est toi ou quoi, mais c'est très bien tombé parce que c'est un prototype qui est arrivé jeudi, sorti jeudi du four, c'est ça? Bah venez. Bah. Et c'est une... Donc Quentin Scandella et Michel Dumain d'Esprit Porcelaine que je vous invite à applaudir, s'il vous plaît. Bonjour, soyez les bienvenus. Alors, un petit mot d'Esprit Porcelaine. Alors, Esprit Porcelaine, c'est un collectif de créateurs à Limoges. Nous avons une quarantaine, justement, de créateurs et nous travaillons dans le domaine de la table, de la déco, des objets de lumière et des objets d'exception. Nous allons avoir une grande actualité à la rentrée, au mois de novembre, juste avant les fêtes. Nous allons avoir un film de 52 minutes qui a été tourné en partenariat avec France 3 Nouvelle-Aquitaine et la chaîne Pointe 3 Noir sur un festival de porcelaine de Limoges que nous avons organisé au Guatemala. Au Guatemala, oui, parce que nous travaillons également sur la recherche avec le café et les baristas. Et vous avez, j'en profite pour dire qu'il y a également une exposition au Théâtre de l'Union qui durera jusqu'au mois de décembre. Justement, une exposition qui s'appelle Porcelaine caféinée, où vous pourrez découvrir les créations qui ont été réalisées en partenariat avec les coffee shops bordelais, mais de Limoges également, de Paris, de Rennes, de l'île de Ré. Enfin. Donc vous avez travaillé des tasses qui s'adaptent au mieux à la dégustation de café. Absolument. Bon, si vous voulez, alors... Donc le nouveau venu, voilà. Si j'ai bien compris, c'est Quentin. Exactement. Voilà. Alors bonjour Quentin, soyez le bienvenu. Donc Quentin, vous avez créé cette assiette qui est, vous me dites si je dis une bêtise, c'est un prototype aujourd'hui. Donc voilà, on a l'impression de l'avoir presque exclusivement pour nous. Alors... Parlez-moi de cette. Je vous laisse la prendre, comme ça on la voit bien comme ça. Et moi je vous tiens le micro, expliquez-moi le travail que vous avez fait, ce que vous avez voulu mettre en avant. Donc c'est effectivement la première sortie de l'assiette, la première sortie de four. En fait j'ai voulu qu'on puisse jouer à table, et jouer à table avec la sauce. Donc ici il y a un réservoir pour mettre de la sauce, et ici on va venir déposer les aliments. Et en fait, normalement, lorsque l'assiette est à plat, la sauce ne coule pas et
c'est la personne qui va venir déguster le plat, qui va donc faire bouger l'assiette comme elle le désire pour faire couler la sauce jusqu'au plat. Donc du coup, on va pouvoir la lancer, plus ou moins la lancer grâce à la poignée, ou juste l'incliner, ou venir avec un bout de pain ou autre, faire couler la sauce. Parce qu'on ne voit peut-être pas, mais là, il y a une vraie cavité qui permet à la sauce de ne pas couler tout de suite. On est obligé d'incliner l'assiette pour que la sauce se déverse. Alors, normalement, oui. Comme l'assiette est sortie jeudi, c'est à retravailler parce qu'on a essayé tout à l'heure et il y a des améliorations à refaire pour que le résultat soit optimal et qu'effectivement la sauce ne coule pas. Mais dans l'idée, mais c'est, donc j'avais bien compris le truc. Après, oui, comme tous les prototypes, il y a toujours un petit réglage à faire. Ça, c'est parce que c'est votre vécu de mangeur qui vous a guidé à faire ça. Vous trouviez qu'il y avait un problème avec la sauce dans les plats ? Non, mais j'aime bien travailler sur des interactions avec les objets, entre l'utilisateur et l'objet. Et j'aime beaucoup aussi essayer de véhiculer quelque chose un état d'esprit positif dans les objets. Et du coup, l'amusement à table me plaît beaucoup. Et du coup, c'est ça que j'essayais de faire avec cette assiette. Est-ce qu'elle vous inspire, cette assiette, Vivien Durand ? Oui, je trouve ça très intelligent. Ouais. Et c'est typiquement ce que nous, on adore au Prince Noir. Quoi. C'est vraiment le côté ludique, enfantin, ça ramène toujours quelque chose de plus dans le restaurant, la gastronomie ou la cuisine. Donc, c'est vraiment, Et alors moi, j'ai une question sur ce prototype-là. Elle aura quelle physionomie au final ? Est-ce qu'elle sera aussi épaisse, aussi lourde ou est-ce que... Alors, normalement, non. L'idée, c'est de réussir à la faire bien plus fine, bien plus légère. Déjà, pour permettre cette manipulation plus facilement et aussi d'une manière plus pratique. Bon, en tout cas, elle a un avantage. On est sûr que le client ne repartira pas avec. Ça, parce que là, elle pèse son poids. Ok, oui, donc, ça n'est pas aussi fin que ça, mais dans l'idée, ce sera... Voilà, vous allez, on va s'en rapprocher. Quoi. Bon, ben, on va voir... Pardon. L'élégance, c'est important, mais il y a aussi un avantage aux assiettes un peu épaisses, un peu brutes, c'est la chaleur. Oui. Typiquement, moi, la dernière table, elle est à 90 mètres de la cuisine. Donc la vaisselle fine, ça maintient pas le chaud aussi bien qu'une assiette un peu plus épaisse. Oui. Faut pas l'oublier non plus, c'est important de manger chaud, quoi. Je vous débarrasse. Merci à tous les deux d'être venus. Et on va voir dans quelques minutes comment le chef va dresser ce plat. Ça vous amuse d'utiliser celle-là ou sinon il y en a d'autres qui sont très très belles. Il y a celle-là aussi. Très très jolie, ça. C'est joli. Ça, c'est vraiment... Ah ouais, non, c'est... On a ça aussi. C'est joli, ça. Hein. Très très beau. Ça, c'est très inspirant, ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ça ? C'est vraiment très beau. Hein. Je suis très attiré par les choses. Alors, ce qui me bluffe avec la porcelaine, c'est ça, c'est cette transparence, cette lumière. Ça, c'est une création, c'est l'assiette écume précieuse, une création d'Isabelle Poupinel, que vous connaissez peut-être parce qu'elle travaille justement, elle fait des créations pour des grands chefs. Notamment pour l'auberge du Cheval Blanc à Courchevel, Yannick Alénaud. Donc c'est son travail à elle. Nous avons une quarantaine de créateurs à Esprit Porcelaine et nous sommes en quelque sorte des incubateurs, justement. C'est le rôle de l'association, de parrainer des jeunes. Voilà. Merci, merci beaucoup Michel. Alors, moi je dis ça mais j'ai faim. Ouais, moi aussi. T'as une petite faim, je sais qu'il est un peu tard, mais bon, on est samedi, on peut déjeuner avec un certain recul. Ça sent bon. Là, ça mijote, tu vois, c'est tout simple. C'est vraiment la châtaigne brute et la tomate qui, au final, a cuit elle-même dans son jus. Et du coup, on a vraiment cette odeur de tomate fraîche. Parce que là, en fait, c'est une apertisation classique, hein, tomate et tomate crue, tu recouvres d'eau, de sel. Non, c'est que les tomates. Que les tomates. Il n'y a pas de saumure dedans. J'ai mis un tout petit peu de sel et un peu de sucre. Et encore sur celle-là, je ne pense pas. Et ensuite. Parce qu'elles étaient vraiment très, très sucrées. Ok. Je
je vais vous parler du caviar quand même. Ah mais oui, c'est vrai. Parce qu'il y a la petite touche luxe. J'ai ramené un petit truc de chez moi quand même. Non, enfin, moi j'en travaille beaucoup pour deux raisons. C'est que je trouve leur façon de faire. Donc là, je travaille avec Sturia depuis maintenant quelques années. Avant, je ne voulais pas entendre parler parce que ça avait un goût de. Le oui. caviar français avait un goût fort de vase. Ouais. Et ils ont identifié le problème. Le problème, c'était une algue qu'il y avait dans l'eau. Donc maintenant, les esturgeons, juste avant de récupérer les œufs, sont mis dans des bassins où ils vont chercher de puiser de l'eau à plus de 13 mètres de profondeur, qui est exempte de cette algue. Mmh. Du coup, ils se rincent et on n'a plus ce goût d'algue. Mais au-delà de ça, ce qu'ils ont fait, et je trouve ça remarquable, et j'aimerais bien qu'on fasse tous pareil, c'est que plutôt, ils sont tous concurrents. Il y a entre 7 et 8 gros producteurs de caviar. Oui, ça s'est bien développé, ça, en France. Mais ils se sont tous rassemblés pour dire, voilà, il faut qu'on revalorise un produit qui existait déjà et qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Mmh. Et du coup, chacun a sa façon de vendre les choses, mais ils valorisent tous le caviar d'Aquitaine. Et je trouve ça vraiment remarquable. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye d'en parler régulièrement, parce que cette façon de faire là, c'est très important. Ça, nous, au Pays Basque, c'est ancré en eux. Quoi. Moi, je vois, il y a la chambre d'agriculture d'Aquitaine, ils en ont créé une à eux. Quoi. Oui. Et ils se filent un coup de main, ils mettent en place des systèmes. J'en parlais ce matin, tu vois qui c'est, Yonard Louchet qui a remis au goût du jour le maïs grand roux, qui est un maïs autochtone du Pays Basque. Mais il aurait pu très bien le garder pour lui et en faire la part belle. Mais non, il a décidé de monter une charte de qualité humaine et de produits. Du coup, il a partagé ses graines avec tous les gens aux alentours. Tout le monde commence à faire du maïs grand roux, mais vous êtes obligé d'avoir... un tonnage contrôlé de la production et en fonction du tonnage que vous pouvez faire dans votre entreprise, dans votre exploitation, vous êtes tenu d'embaucher 1, 2 ou 3 employés. Ah ouais. Du coup, c'est vachement vertueux, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on plébiscite et qu'on encourage parce que moi je fais ce métier un peu pour ça aussi, quoi. Je pense que c'est important de faire vivre notre si joli territoire. Oui, c'est ça. Il y a un rôle, je dirais, d'acteur local fort. Exactement. Ouais. C'est vrai que l'un ne vit pas sans l'autre. Mais on sent qu'aujourd'hui, il y a plus que jamais une prise de conscience et une volonté. Hein, chaque chef revient vers son terroir et il y a plein de choses qui renaissent. Au-delà du chef, pour moi, c'est ça un restaurant. Mmh. Moi, je ne sais pas faire le pain, je ne sais pas faire le fromage. Ce n'est pas mon métier. Mmh. Par contre, moi, j'estime qu'en tant que restaurateur, c'est pas en tant que cuisinier, en tant que restaurateur, on se doit de valoriser les gens qu'il y a autour de chez nous. Quoi. C'est primordial. Quoi. C'est, y a pas plus important que ça. Mais au-delà de la profession, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on va dans un marché, moi, je veux parler de ce que je connais, quand je vais à un marché au Capucin ou quand je vais au marché à Saint-Jean-de-Luz, je vois de moins en moins de revendeurs. Parce que chez nous, c'était facile, hein, l'Espagne, c'était à côté. Oui. Je vois de plus en plus de vrais producteurs qui font de vraies choses, et je vois surtout de plus en plus de gens qui ont besoin et envie de savoir ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Quoi. Et ça, au-delà de la qualité intrinsèque du produit, vraiment de savoir si ça a été bien fait, quoi, dans le respect de l'animal ou du terroir. Et je pense que nous, on est juste un miroir de ça. Parce qu'on est avant tout aussi des commerçants. Oui. Donc nous, on est. C'est aussi. Je pense que c'est un ressenti global du client, quoi. Voilà, moi, je n'ai jamais vu quand les merlus, typiquement de Saint-Jean, on sait très bien que personne ne prend des merlus espagnols parce qu'ils ont la cocotte en moins ici, là. Ils ont une partie qu'ils ont enlevée. J'ai jamais, à part cette année, j'ai jamais vu quelqu'un regarder la tête du merlu, savoir s'il venait vraiment de Cap-Breton ou de l'Espagne, quoi. Alors que maintenant, oui. C'est génial. Il y a une sensibilité qui s'est accrue. Oui, je pense vraiment. Je cherche un truc, je le trouvais. Bah, dis-moi. Voilà. Je peux peut-être t'aider. Tiens, ça. Et là, tu vas récupérer la viande donc, qui a tiédi. Alors pourquoi le choix de l'huile ? C'est parce que ça préserve la
C'est le bon fluide pour conduire la chaleur. Exactement. Exactement. On a essayé avec d'autres produits, et puis c'est quand même assez neutre comme produit, et c'est surtout qu'il y a un vrai travail dans l'huile, ça, les arômes diffusent beaucoup, beaucoup plus, et pénètrent vachement mieux la viande. Et on prend toujours un muscle pas trop gras, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et tu te pousses, toi. Ça va pas, toi. Ce qui veut rien perdre, c'est pour ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est le... Ça c'est des blettes. Donc les blettes, je les ai faites hier soir, parce qu'en fait, elles sont marinées au citron et au sucre. Elles sont crues. Donc c'est ce qui va apporter vraiment du croquant au plat. Je vais en faire deux petits, après je vais en faire une grande. On pourra essayer. Ouais. Voilà, donc j'ai légèrement assaisonné le... Donc là, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien, mais en fait, les chairs se détachent. Et moi, c'est nous quand on le fait, c'est ça qu'on aime. C'est quand c'est. En fait, on a le muscle. On n'a pas une coupe. On a en bouche, on a le fil du muscle. Okay. En fait, c'est un cru cuit. Ça, c'est un peu ça. Ouais. C'est un entre deux. Ça doit surprendre quand tu sers ça, parce que c'est. Ouais, souvent, mais ça on faisait ça blette et caviar. Bon, on a fait un carton. Hein. Et pourtant, ça semble pas comme ça tout à fait évident. Non. À prononcer blette et caviar, on se dit bon. Alors pendant que tu dresses, on peut continuer à parler de porcelaine. C'est quoi ton rapport avec le contenant, avec la porcelaine? C'est quelque chose que tu réfléchis? Comment est-ce que tu... Alors, moi, j'essaye de travailler au maximum avec des artisans locaux. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait au Prince Noir, là, depuis quelques temps. Mais c'est pareil, je trouve que le métier de porcelainiste s'est un peu transformé depuis quelques dernières années. Moi, j'en avais marre d'avoir toujours les mêmes assiettes, quoi. J'avais l'impression que c'était réfléchi, mais c'était toujours la même forme, toujours la... Et du coup, je trouvais ça triste dans un restaurant. Moi, j'ai pas eu une assiette pareille, pas une. Du coup, je me dis... Donc le client à table n'a pas forcément la même assiette de son voisin. Il a la même forme, si vous voulez. Oui, mais pas le... Ils ont la même forme, mais toutes les assiettes sont différentes. Okay. Des blanches, des noires, des bleues. Et au final... Même pour nous, ça nous force à aller à l'essentiel. Et même, ça permet d'avoir de la place à l'objet aussi. Parce que pour moi, l'art de la table, c'est des beaux objets. Et il faut laisser... Je vais mettre derrière. Pour moi vraiment... Pour le métier de restaurateur, c'est ça. C'est valoriser les artisans qu'il y a autour de mon restaurant. Donc, les couteaux, la verrerie, la vaisselle, ça fait partie de ça. Donc, il faut que les gens puissent le se dire, c'est beau. Et puis, ça fait partie de l'expérience globale. Exactement. En tout cas, c'est très, très beau, ça. Ça vous plaît, Quentin? J'aimerais bien finir. Alors, vous avez le droit de venir avec l'appareil pour le photographier de près. Hein, parce que c'est un peu à vous, quand même. Donc le but, on a dit avec le chef qu'il fallait faire aussi un barrage. Donc on va faire un barrage ici. Donc là au final, on a le petit condiment. Donc là, on a plutôt le côté rond, sucré et généreux de la châtaigne en consistance. Mais il manque un truc primordial qu'on utilise beaucoup, enfin que moi j'adore dans la cuisine. C'est la nervosité, l'acidité. Oui. Faut pas oublier qu'on a fait monter en température la viande dans une huile, donc on a un côté riche et gras. Et pour casser ça, il faut absolument un vinaigre. Donc on a récupéré ici l'eau de tomate. Et tu y as ajouté quelque chose? On y a ajouté l'oseille ciselée et un peu de ciboule ciselée. Et j'ai triché. On a une huile de girolle là, que j'ai ramenée de chez moi qui va mener un peu
de longueur et de consistance à la vinaigrette. Ça, c'est la bonne période pour le cuisinier, hein, l'automne, avec les champignons. Ouais. Avec les, c'est... Donc, je dis volontairement pas trop salé. Bon, je lui montre parce qu'après, il va m'embêter. Super. Super. Et donc là, si on est d'accord, je verse ici. Et ça coule. Génial. Ouais, effectivement, super. Ça mérite des applaudissements. À la fois pour Quentin, donc le créateur de la set, Quentin Scandella, et Vivien Durand, chef du Merci Prince beaucoup. Noir à Lormont. Vous n'êtes pas très loin maintenant, c'est la même région, la Grande Aquitaine. Donc si vous allez vous balader près de Bordeaux, penserez à Vivien en passant le pont. Et j'espère que vous aurez l'envie de vous arrêter à Lormont pour découvrir à la fois son univers. Et surtout sa cuisine. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vivien d'être venu. Merci à toi d'avoir invité.